Eh bien, bonjour à tous et à toutes dans cette toute nouvelle vidéo très particulière. Eh bien, ça devait être la vidéo pour les 1000 abonnés, mais ça s'est décalé pour les 1111 abonnés. Donc voilà, c'était ma petite excuse en espérant qu'elle passe. J'ai pris quand même pas mal de retard et ça, j'en suis désolé. Mais ça y est, la vidéo est sortie et tout simplement un immense merci à tout le monde. Vraiment, grâce à vous, en moins de 2 ans, on a réussi à atteindre sur la chaîne le cap symbolique des 1000 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir, donc merci infiniment à tout le monde. Dès que je sors une vidéo, il y a toujours les mêmes personnes ou même des nouvelles personnes qui mettent un commentaire en dessous, que ce soit de soutien ou alors ceux qui ont besoin d'aide. Je prends toujours autant de plaisir à répondre à l'un comme à l'autre, ou à lire même les commentaires, parce que des fois je ne réponds pas, mais le cœur est là, ça vous pouvez être sûr vraiment. Mais il y a certains commentaires que je n'arrive pas à retrouver, ou que je n'arrive pas à voir justement, parce que je n'ai pas les notifications, tout ça. Donc pour eux qui attendent une réponse, je suis vraiment désolé. J'aimerais pouvoir vous répondre, essayer de trouver ces commentaires, mais au fur et à mesure, je remarque que là ça commence à être de plus en plus compliqué, parce que si c'est sur des anciennes vidéos, ou sur des à peu près récentes, c'est un peu compliqué de les retrouver parce que sur certaines, il y a quand même pas mal de commentaires. Donc désolé pour eux, j'ai vu aussi un commentaire qui voulait en apprendre un peu plus sur moi. Donc je me suis dit pourquoi pas en vidéo, ce serait plus intéressant. Parce que c'est vrai que avoir une voix pendant 1 an, 2 ans, c'est bien. Mais pour certaines personnes, avoir un visuel, avoir du coup la personne derrière cette voix, bah, ça serait un peu mieux. Ça, je décide pour le moment de le garder pour moi parce que je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Peut-être que ça se ressent pas dans les vidéos, mais ça serait un cap assez lourd pour moi à passer. Peut-être qu'un jour, je me montrerai. Peut-être pas, ce n'est pas une promesse, donc voilà. Ça arrivera peut-être, peut-être pas. Faut pas se raccrocher à ça, mais on sait jamais. Je vais aussi garder mon nom et prénom en privé, parce que ça, ça n'a pas trop lieu d'être pour le moment. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que sur le jeu vidéo, on me prénomme Falcorn, c'est le pseudo que j'ai choisi depuis un bon moment et qui me suit, qui me colle à la peau. J'ai aussi 19 ans, je suis originaire de l'Aquitaine, pour être plus précis, de Bordeaux. J'ai un grand frère et une grande sœur qui sont tous deux passionnés du jeu vidéo, ça c'est un peu l'avantage que j'ai. Au moins comme ça, on est fou de jeu vidéo. Du côté de mon frère, bah lui il joue pas mal au même jeu que moi, donc ça c'est plutôt cool. Et du côté de la sœur, elle commence à ralentir au fur et à mesure parce qu'elle a des études importantes à passer, des diplômes importants, donc c'est pour ça que scolaire et le jeu vidéo, en général, ça fait pas bon ménage. Donc c'est pour ça qu'elle ralentit un peu le jeu vidéo. Ce que je peux vous dire en revanche sur elle, c'est que si elle n'était pas là, peut-être que sur YouTube, déjà aussi je n'en serais pas là parce que elle m'aide énormément dans tout ce qui va être titre, miniature, description, commentaire ou même des fois certaines vidéos. Parce qu'elle m'aide vraiment beaucoup. J'ai pas mal de lacunes dans le français, dans le scolaire plutôt. Je me suis plutôt réfugié dans le jeu vidéo, ce qui est vraiment un havre de paix. Justement, ça permet de sortir un peu de l'univers que l'on a. Mais elle me permet justement d'avancer de plus en plus. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Donc si vous voyez des fois une description qui est un peu mal rédigée, bon, c'est pas moi qu'il faut un peu taper sur les doigts, c'est plutôt elle. Mais bon, ça c'est un autre débat. J'ai aussi l'honneur de vous annoncer qu'il va y avoir un renouveau sur la chaîne. Le logo et la bannière vont changer, je vous les mets maintenant. Et comme vous pouvez le voir, le nom de la chaîne aussi va changer. Au lieu d'avoir juste pour le game, c'est un peu long, je ne m'identifiais plus du tout à ce nom-là. Eh bien, j'ai décidé de mettre Falcorn, comme vous pouvez le voir. C'est un peu le pseudonyme, comme je vous l'ai dit, que j'ai depuis longtemps. Et je m'identifie beaucoup plus à ce pseudo-là qu'à juste pour le game, qui est beaucoup trop long maintenant. C'est pour ça que là, nous avons un renouveau de la chaîne assez complet, comme on pourrait dire. Autre chose, et ça, ça va dépendre d'une seule chose, justement, la fibre. Si j'avais la fibre, et Dieu sait que ça me ferait extrêmement plaisir, eh bien, je pourrais vous proposer le live. J'aimerais faire beaucoup de live sur la chaîne, que ce soit du let's play, jouer sur Fortnite, ou même sur World of Warships, sur d'autres jeux, No Man's Sky, tout ça ensemble, ou alors faire des petits jeux fun à droite à gauche. C'est quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir et ça permettra à vous aussi de me connaître un peu mieux parce que c'est vrai que dans des vidéos, bah, du coup, c'est très carré et on n'a pas le côté naturel à 100%. Que là, lors d'un live, vous aurez vraiment un peu la part naturelle mais aussi de mon côté, la part un peu vraiment timide de la personne. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Mais avant qu'il y ait le live, bah, ça va dépendre de la fibre. Pour le moment, je suis en ADSL. Free n'a pas encore décidé de nous annoncer, excusez-moi, qu'on allait avoir la fibre. L'ARCEP, je guette la carte de l'ARCEP jour et nuit, comme on pourrait dire. Mais ça avance, peut-être qu'à la fin de l'année, il y aura le début des lives. Peut-être début de l'année prochaine. Ah, c'est la surprise, mais bon, on verra.
Donc on va s'arrêter là sur la vidéo des 1000 abonnés, ou plutôt des 1111 abonnés. Ça fait quand même vachement plaisir d'avoir pu faire cette petite vidéo, parce que c'est vraiment un rêve que vous avez pu me faire franchir ce cap. Donc mille merci. J'ai pu aussi vous faire une petite présentation de moi-même, de ma sœur qui m'aide énormément, et surtout le renouveau de la chaîne, parce que c'est un cap qu'il faut marquer, et j'ai décidé de le marquer avec un peu ce petit renouveau du pseudo et de la bannière, et aussi du logo, parce que oui, le logo est très important. Et peut-être plus tard, des lives, mais ça dépendra de la fibre. Bon, vous avez compris. En tout cas, encore une fois, mille merci de votre soutien que vous faites part à la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Tout simplement, moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.